les gens qui ont des voitures anciennes, c'est pas par goût, c'est pas par le pour le plaisir de polluer, c'est les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture récente. Donc est-ce que c'est pas un petit peu une ségrégation par l'argent que vous... C'est pas une ségrégation par l'argent, même si je vois effectivement qu'il y a ce risque-là. Dès le printemps prochain, nous allons créer 200 places de stationnement en voirie à Paris pour des véhicules en autopartage. L'autopartage, c'est quelque chose qui est en train de se développer depuis un certain nombre d'années et que nous souhaitons pousser très fortement, d'abord à l'échelle parisienne et ensuite, je l'espère, à l'échelle de l'ensemble de l'Île-de-France. Ça consiste tout simplement à donner la possibilité tout simplement de s'abonner donc à l'usage d'un véhicule sans en être propriétaire. Ça a un intérêt à la fois économique et écologique. Économique tout d'abord parce qu'en règle générale, un véhicule en autopartage, ça coûte de l'ordre de 500 à 1000 euros par an, là où un véhicule en pleine possession, en pleine propriété, coûte de l'ordre de 5000 à 6000 euros par an. Donc on voit les économies qu'on peut réaliser. Et deuxièmement, ça a aussi un intérêt écologique parce qu'un véhicule en autopartage, en règle générale, remplace 8 véhicules. Et donc on voit bien l'intérêt que ça peut avoir en termes à la fois de diminution de la présence de l'automobile dans l'espace public et je dirais même plus simplement de rationalisation de l'usage de la voiture, sachant qu'une voiture, en règle générale, est stationnée 95% du temps.